Hey, salut tout le monde, c'est Burry Days et Raph. Salut. Et on se retrouve pour Monday Night Raw. Et donc on commence cette soirée avec les Divas. C'est bien sûr le 26e épisode du mode univers. Et donc Naomi Tamina qui arrive sur le ring. C'est la suite de ce tournoi où il faut gagner des matchs pour arriver en finale, pour arriver surtout au pay-per-view pour disputer le titre par équipe, le Women's. Et on va voir tout de suite leur adversaire. Donc Naomi et Tamina qui ont perdu la semaine dernière à Raw contre Nikki Bella et Brie Bella. Et ce soir, ils affrontent des perdantes encore, eh oui. Ils affrontent Emma et Michelle McCool. Emma qui est la première à rentrer sur le ring. Et Mac a perdu la semaine dernière à SmackDown. C'était contre, je sais même plus c'était contre qui. C'était contre Becky Lynch. Becky Lynch et Natalia. Alors ce soir, c'est duel d'équipe perdante. En espérant avoir un bon match, malgré que c'est des perdantes. Ouais, je rajoute. Ils ont perdu qu'une fois, on va pas non plus les... Ouais, mais ce soir, il y aura une équipe qui aura perdu deux matchs et une équipe qui aura gagné un match et une défaite. Et voici, on accueille la championne de SmackDown, la championne féminine de la WWE, Michelle McCool. Et aussi, le même problème que Chyna, la ceinture rentre dans le ventre. Mais c'est pas grave, c'est un détail. On a un bon programme encore ce soir avec la suite des rivalités entre Paige et Nikki Bella et aussi la rivalité entre les New Day, les champions par équipe. J'irais même la rivalité entre Kofi Kingston et Big E contre Raph et Bill, parce que Xavier Woods il est pas dans la rivalité, mais c'est pas grave. Là, on va s'intéresser au match de Diva, le premier match de la soirée, et c'est moi qui choisis en premier. Et je prends la championne de SmackDown, Michelle McCool. Toi, tu choisis. Ok, donc on est ensemble. C'est parti donc pour ce match. Et ce soir, l'équipe perdante sera définitivement éliminée. Pas éliminée. Même si elle gagne un match. Voilà. Parce qu'avec une victoire, ça serait pas suffisant. Je pense qu'il faut minimum de victoires. Je sais pas si les équipes peuvent avoir une victoire et deux défaites chacune. Je sais pas. Je pense pas. Non, ils peuvent pas, ils peuvent pas. C'est obligé qu'il y ait au moins une équipe qui a deux victoires. Et Naomi, pour l'instant, elle contre. Et elle fait changement, ça c'est très intelligent. Alors qu'elle a pu contre. Oh, ce front drop kick. Allez, le changement avec Michelle McCool en espérant une Emma un peu plus concentrée ce soir que la SmackDown. Oh, ce coup de pied. Tamina, elle connaît les coups de pied, mais là, à mon avis, celui-là. Allez, c'est parti pour le contre. Hop là. Mais ils ont un gros désavantage quand même sur les comptes. Et on a un compte de plus que. Ah ouais, mais tu comptes, moi je compte. Hein. Attends, je crois que je suis qui là? Je suis un championne. Toi t'es qui? Juste une Samoa. Ah purée. Ah mais justement quand il faut en profiter, bah, je veux que mon compte. Et à faire le changement, très bien vu. Très bien joué. Oh non, c'est quoi ce chaussé? C'est quoi ce chaussé là? C'est.
Des C'est fois. limite. Je sais pas si c'était un saut chassé pour le corps. Je pense que oui, parce que sinon, la hauteur, c'était pas terrible. Ouf! Ouh, et par contre, ce coup de genou, là. Il y a du bug dans l'air. Je pense que ça a mis KO un peu Naomi, ça. Allez, viens, tu travailles à deux. Parce qu'on n'a pas vraiment vu à SmackDown. Voilà, ça, c'est bien. Allez, descente du coude! Il y avait un cafard. Mais je trouve qu'ils ont bien joué au niveau des contres et des changements. Enfin, surtout au niveau des changements. Ils ont vu qu'ils avaient plus de contres. Après, Tamina a eu de la chance que j'ai pas contré. Oh! Clothesline. Hein. Pour l'instant, légère domination quand même de Emma et Mishima Cool, même si Naomi elle compte beaucoup, je trouve. Il y a fort le changement. Parce qu'elle a la difficulté. Pour l'instant, il y a du bon travail des deux équipes. Même si. Emma et Michel McCool, c'est un peu plus, comment dire. Plus efficace, voilà, je cherchais le mot. Allez, Michel McCool, qu'est-ce qu'on va nous faire? Ok, tombé. Allez, 1, 2, il y a quand même 2 là, et il faut l'intervention de Naomi quand même. Ouais, Tamina en difficulté. Vision. Oh, ce coup de pied. Oh. Oh. Oula, on va déjouer Tamina. Là. Alors que Emma et Naomi là, c'est mieux sur rien. Oh, ah bon, voilà, ce chassé, il est beaucoup mieux que tout à l'heure. Oh. Pour l'instant, très bon travail de Michel McCall. Il n'y a toujours pas d'aspirant pour son titre. Et encore un Russian Lex Whip. Et descend de la deuxième corde, le splash. Oh, et Tamina qui passe par-dessus la troisième corde. Non, elle arrive pas. Non. Oh. Mais non, mais tu l'as relevé, le terre remis à terre. Allez, sur le ring. Non, pas là. Mais non, mais... What? Et dépêche-toi. Ta gueule, l'arbitre. Je veux pas une victoire comme ça non plus. J'aurais pas dû intervenir en fait. Je fais de la merde. En plus, j'ai pas mon endurance. Hein. Allez, projection dans les cornes. L'arbitre, tu fais, tu dors. Oh, Goldbuster. Non, mais. De toute façon, Tamina est très mal en point dans ce match. Et
projection dans le coin. Là-dessus, on est parti pour la Tarantula. Fameuse prise portée par. Elle était portée par Tajiri par le passé. Et là, c'est Emma qui la porte. Et le tombé. Tire peut-être une élimination à 1-2. Oula, dégagement, intervention, c'est pas trop. Allez, Mishima Kuksan qui s'en mêle. Boum. Et puis on Emma sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais, Thomas? Oh, super! Oh, oh, c'est contré! Oh, putain! Vas-y, elle m'énerve. Ouais, oh, les matchs partent en cacahuète. Oh, les escaliers! Oh, les escaliers là! Oh, la descente du coup. Allez, peut-être le changement là. Là. Allez, voilà. On a remis sur le ring. Mal placé, ça m'énerve ça. Allez, ah bah le compte, mais c'est pas possible, mais c'est vraiment une contre celle. Hein. Allez, non mais pas possible. Non mais j'ai pas dit de la relever, j'ai dit de faire une putain de prise là. Allez, soumission. Attention, j'ai rien. Tu peux autant m'allumer que tu veux, j'ai rien du tout. J'ai pas peur de toi. Je fais le match parfait. Boom! Backbreaker. Putain, merde, j'avais fait spécial. Heureusement, je l'ai pas fait. Je vais attendre plutôt le bon moment pour faire. D'accord. Seulement 0. Ah mais... Oh, c'est violent ça. Allez, va faire ton changement. Boum. Oh, ce coup de pied là. Mais cette fois-ci, je vais le réussir. Ouais, c'est bon ça. De soumission. Ouais, mais dégage toi. Tout faire soi-même, pas possible. Non, j'ai plus assez d'endurance pour le finish, putain. Ok. Ok. Allez. Boum. Boum! Le coup de pied! Non, c'est pas possible. C'est une blague. Non, mais c'est pas possible. Oh, elle me l'a contré. C'est pas possible. Tu coches. Allez, peut-être le changement. Putain, mais non, mais. Comme il faut, l'envoi. Allez. Oh, oh, oh! Ouf! Ouf, cette droite. Allez, l'arbitre. Le tomber. Rien. Deux.
Et 3. On a rien vu. Tamina n'arrivait pas à se relever, on se demande pourquoi. J'ai rien vu moi. Ah, très belle victoire en tout cas de Michel McCool et Emma. Malgré que. Malgré une contreuse pas possible, enfin, je dirais même les deux ont contré. Mais Tamina elle a quand même contré. Je crois que t'as contré ton finish au coup spécial. Et moi elle m'a contré un coup spécial et un finish, hein. C'est encore pire. Bah, je crois que c'est elle qui m'a contré le coup spécial. Ah ouais? J'ai dû le refaire deux fois, je crois. Tout ça en coup spécial. Ah, c'est dégagé en fait. Là, on revoit cette fin. Michel McCool qui va voir Naomi. Pfff, coup de... Je sais pas si c'était une droite ou un coup de coude, mais waouh. Voilà. Et là. Apparemment, Tamina était KO parce qu'elle s'est pas relevée. 1, 2 et 3. Victoire sans contestation. Je passe béton. Alors, en tout cas, premier match de Monday Night Raw. Il y en a déjà notre. Enfin, on a déjà notre. Non. C'est la première victoire de Michel McCool et Emma. Donc, de son. Dans ce petit tournoi. Donc, il faut gagner des matchs. Et Naomi et Tamina, c'est officiel. Ne seront pas au PPE pour les titres par équipe. Donc, ça va se jouer donc entre l'équipe Michel McCool et Emma. Et les deux autres équipes qui sont Nikki Bella, Brie Bella et Becky Lynch, Natalia. Et on va passer tout de suite au deuxième match. Donc nous voilà pour le deuxième match. Match sans enjeu, enfin presque. Ryback, le champion intercontinental qui catch ce soir face à Nathan. Nathan qui a fort à faire puisque c'est le champion intercontinental. Et par contre, si le champion intercontinental ce soir perd contre Nathan... Et bien Nathan aura une chance pour le titre. Donc tout se joue ce soir, c'est Raph qui a le match. Donc il est choisi. Attends. Ok. Et c'est parti. Donc match très important quand même pour le petit Nathan. Mais bon, ça va être compliqué parce qu'en face c'est quand même montagne de muscles. Contre. Ouh, attention. Oh, il arrive à porter Ryback, la souplesse arrière. Je vais porter. Et pour l'instant, c'est parfait comme match. Allez, la descente. Oh, genre de moonstomp là. Monsieur backflip. Oh, Rock'n'Rolla. Oh là là. Très, très très bon début de match de Nathan. Ryback qui est un peu en difficulté quand même là. Champion qui répond pas trop. Voilà, il contre. Allez, direct, il est remis à terre. Oh, le Phoenix Splash. Springboard Phoenix Splash. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Oh, un genre de facebuster. Face crush. Hein. Allez, sur la deuxième corde. Mais Ryback qui répond pas dans ce match, incroyable. Oh oui, joli! Et Tornado Dignity avec la deuxième corde. Et Ryback là qui est en très grande difficulté. Hein. Oh, close line! Ah, et Santon Bomb.
Oh, oh, c'est un chupé. Le premier temps du match. 1, 2, voilà, dégagement. Et Ryback, il est en grande difficulté. Je crois qu'il n'a pas aimé le style de catch de Jonathan. Oh, tiens, il est déjà prêt pour le coup spécial. C'est le coup spécial de Nathan. Il tire une balle avant. De lui mettre à coup de genou. Oh, ouais, oui, oui, l'intelligence de Ryback. Il est toujours là. Quand même. Oh, 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 j'ai envie de dire, il a eu chaud à sa tête. Parce que là. Mais Nathan, c'est beaucoup épuisé dans ce match. Il a plus beaucoup d'endurance. C'est la dernière barre. La surprise de soumission. Oh! Ouais, quel match quand même de Nathan. La Ryback qui est complètement aux abonnés absents là. Est-ce que Ryback fait exprès pour un adversaire? Je sais pas. Oh! Ah ouais, mais là Nathan il réagit plus. Peut-être que Ryback fait exprès de pas avoir un challenger. C'est pour l'instant Ryback n'a pas de challenger, c'est un peu comme Michelle McCool. Il n'a pas de challengeuse. Oh, ce close line. Hein. Oh, attention, on est reparti. Allez, c'est la deuxième fois du match. Bang! Et le coup de genou! Oh, il saigne. Oh, il saigne, il est en danger Ryback. Le champion est en danger de tomber. 1, 2 et 3. Oh my god. Ryback s'est fait piétiner. C'est la première fois que je vois Ryback depuis qu'on fait une vidéo qui est autant en difficulté. Il a réussi à contrer le coup spécial, mais le deuxième il est passé. Voilà. Et il a saigné. Ah, c'est le coup spécial. Il n'y a même pas eu de finish, c'est carrément le coup spécial. Le tombé, 1, 2, 3. Ryback ne s'est pas relevé. Ouh, que c'est étonnant. Ouh, que oui. Et là, Nathan qui a peut-être l'opportunité d'un match pour le titre. Rien n'est signé, c'est sûr, mais affaire à suivre dans les prochaines semaines. En tout cas, très gros résultat pour Nathan. Et on passe au troisième match de la soirée. C'est parti. Alors, c'est parti pour le troisième match. Match Battle Royale à 6. Donc, il va falloir faire passer l'adversaire par-dessus la troisième corde. Et c'est un match en jeu puisque c'est match pour se qualifier pour la dernière place aux triple menaces au pay-per-view, prochain pay-per-view, pour le titre Cruiserweight. Pour l'instant, Kalisto et Neville sont qualifiés. Donc un des six là rejoindra ces deux que je viens de citer. C'est moi qui choisis en premier et je sais pas. Kofi Kingston. Ok. Attends, je prends une caméra. Allez, c'est parti pour ce match. Oh putain. J'aime pas être au milieu. Mmh.
Voilà. Oh. Je crois que tu prenais Santino et en fait j'ai pris Tyson. Ok. Non. Oh. Oh, German Suplex. Hein. Allez, autre chose peut-être. Non. Non, pareil, c'est Emir Chus. Oh, joli. Pour l'instant, on a Sin Cara, Tyson Kidd, Artus, Kofi Kingston et Jey Uso, Santino Marella. Attention, Artus, qui va essayer de m'éliminer. Ah, c'est beaucoup trop tôt, mon gars. Faut pas m'éliminer. Oh! Ok. Oh! What? What? Encore, c'est un German Suplex, mais c'est possible. Faut arrêter, monsieur. Peut-être Tyson Kidd, Jey Uso, On va être sur Santino. Non. Il s'est contré. Il s'est contré. Sauve la vie, surtout. Boom! Allez. Tyson Kidd qui essaie d'éliminer R-Truth et Kofi qui essaie d'éliminer Jey Uso. Ah, je suis pas réussi. Ouh, replip, magnifique. Attention. Non, c'est un R-Truth, non, c'est pas fait éliminer R-Truth. Toujours là. Oh, Rock'n'Roll, super. Ah, tu sur Tyson Kidd. Oh. Ah, la barre souplex. Attention, ouh, il y aura peu d'eau. Non, c'est pas moi. Je suis désolé. Je voulais pas faire ça. Oh, le chaîne next week. Ah, il y a un petit coup. Ah, c'est une carré éliminée. Comment ça se fait? Non, c'est pas possible ça. Et Jey Uso éliminé aussi. J'avais rien quand j'ai tout fait éliminer comme ça. Mais je sais pas moi. C'est pas possible ça. Il y a un bug. Peut-être pas été assez vite. Non, c'est pas possible ça. Bon, en tout cas, deux éliminés déjà, Jey Uso et Sin Cara. Attention, peut-être Santino. Et Santino, le troisième éliminé. Ouais, tu sais, parce qu'il reste plus qu'autre chose, Tyson Kidd et Kofi Kingston. Ouais, Park Souplex. Simfield. Oh, spinning kick. Allez, et Kofi qui est chaud. Oh, la Park Souplex. Par contre, qui est éliminé en premier, ça c'est notre histoire. Peut-être lui. Oh non. C'est moi qui vais me faire éliminer en premier, ouais. Attention. Ah. Là. Ouh, je suis sauvé. Mais dégage toi. Essayez, j'ai attaqué les deux, on attaque. C'est pas une très bonne idée d'avoir fait ça. J'ai peut-être dû attaquer Archus.
Ah, mais ma génère, Truth, là, je croyais que c'est lui qui avait fait un play. Putain. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, faut que je m'en sorte. Non, non, c'est bon. Faites vous entre vous, là. Voilà, c'est bien, Truth. Yeah, it's the new day. New day rocks. New day rocks. Attention. Ah oui, en fait, Tyson qui est éliminé. Je suis vraiment dans mon truc. Kofi show. New day rocks. New day rocks. Boom. Boom! Boom! Et... Hein? What? Oulala! Ouf! Ouf, c'est hyper cut là! Ouf! Coup de genou! Kofi chaud! New Day! Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Attention! C'est parti! Le boom drop, boom drop porté par Kofi Kingston. Allez, c'est la fin d'Earth-Truth. C'est la fin d'Earth-Truth. Non, il contre. C'est pas possible. Non, ça va encore contrer. Allez, Kofi. Putain, mais non, pas comme ça. Debout. What? Ok. Oh, mais chier, comment il met. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, je fais carré, il me fait une technique. D'accord. Allez-y, relève-toi. Relève-toi, j'ai dit. Allez là, on en finit, c'est une bonne fois pour toutes. Ah, je vais faire comme ça, ça sera mieux. Ah non, il a contré encore, c'est impossible. Il t'arrête de contrer. Oh! Attention, parce qu'à force de vouloir faire mon truc là. Oh, leg drop! Air chose qui revient dans ce match. Oh! Ça s'est coupé. Allez, rock'n'roll! Allez. Si je vais pas te louper, mon gars. Boum! Mais non, mais c'est pas possible, mais qu'il arrête de contrer à la fin. Oh oh! Non. Non, non, non. Oh, comment ça là? Attention, oh là là. Non, ça va. Allez, c'est toi qui vas te faire éliminer. Regarde ça. C'est parti. True in Paradise. Earth-Truth éliminé. Il m'aura fait quand même patienter avant qu'il élimine. Et voilà, Kofi Kingston qualifié pour cette triple menace. Kofi Kingston qui rejoint donc Kalisto et Navarro. Ah, ça va être un sacré triple menace quand même. Pour le petit point moyen. Voir de la old voltage. Ah, voilà. Kofi Kingston qui se qualifie donc. L'actuel champion par équipe. Kofi Kingston va peut-être devoir catcher deux fois dans la même soirée. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, Kofi Kingston qui réussit à se qualifier. Et on va passer tout de suite au quatrième match de la soirée. Donc, voici le quatrième match. Match de rivalité entre Paige et Nikki Bella. Donc, la rivalité qui se poursuit. Et c'est Raph qui fera ce match. Ouais. J'espère que je ne perds pas comme d'habitude. Ah, t'as gagné, non? En 1 contre 1. Ouais, mais. Avec les meufs, oui, je sais. C'est vrai qu'avec les meufs. T'as pris qui? Nikki. Nikki, ok. Allez, c'est parti. Nikki qui a déjà battu Paige dans un match comme celui-ci. Malheureusement, au Pepperview, ça s'est pas passé pareil. Et je crois que, si je dis pas de bêtises,
La semaine suivante, ils se sont réaffrontés. Ouais, il y avait Alicia Pog dans l'eau. Elle avait perdu Nikki. Donc officiellement, c'est quand même 2 victoires pour Paige. Et une défaite. Et une victoire pour Nikki. Donc avantage pour Paige pour l'instant. Soit Nikki, si elle gagne, ça fera 2 partout. Oh! Bien joué. Je vois qu'il y en a une qui compte beaucoup. Ouais. Comme d'hab. Hein. On est déjà à 5 là. Six. Ah, j'ai compris. Ah bah, elle revient. Oh, attention, attention. Ah. Okay, j'ai pas eu le temps. Sur le Power Slam. Le contre là. Oh, attention, le Bella Buster. Genre de face buster. Allez, le tomber, un, deux. Et tout dégagement. Seulement de Only Two. Thank you for tuning into Raw, the flagship program of WWE. Ouais, Paige encore en difficulté. Par contre, on se rappelle aussi du match. Oh là, le con. Je crois que c'était. Je sais plus c'était con d'ailleurs. Oh, c'est le pitch turn. Pitch turn, le tomber. Attention, attention. Ah, non, même pas un. Ouh. Ouais, ma tchao quand même, elle est revenue quand même. Ça fait un coup spécial partout là. Pour l'instant qui essaye de combattre à l'extérieur. On est déjà à 5. 6. 7. Attention. En fait, j'en ai rien à foutre, l'impression. Ouais, quand même, elle a quand même réagi.
Allez, elle pète un plomb, on est à 8, attention quand même. Et Paige qui a du mal à se relever, Nick qui l'attend et qui la remet par terre. Attention, ouh, c'est un de ses coups spéciaux. Attends, est-ce que c'est suffisant? Le tomber, l'arbitre, 1, 2, et dégagement. Ouais, je crois même qu'il a utilisé une révolte. Tu es même sûr? Oh! Attention. Oh, attention. Allez, prêt, le finish. The Rack Attack. Alors là, si Paige se relève, c'est exceptionnel. Je pense que c'est fini, elle est KO. Elle est complètement KO. Nikki a du mal à enchaîner, elle enchaîne quand même. Allez, 1, 2 et 3. Victoire de Nikki. Eh ben, ça aura pas été facile. Hein. Paul Bella Buster est tombé enchaîné qui aura pas été suffisant, ça aurait été juste quand même. Et là on revoit le patch turn je crois, ouais patch turn ou qu'il aura même pas eu un malgré le tombé enchaîné. Et ça, je crois que c'est la fin du match. C'est peut-être le coup de genou. Non, c'est le coup de genou, je crois. Ouais, le Knees match. Le deuxième coup spécial de Nikki. Et là aussi, il n'y aura eu que deux. Ça aurait été très juste. Et là, elle n'aura pas réussi à contrer Paige. Ça aura coûté la victoire. Là, donc Nikki qui revient à deux partout. Deux victoires chacune. Il restera encore un row avant le prochain pay-per-view. Prochain pay-per-view de Raw et SmackDown. Qui sera d'ailleurs, je sais même plus c'est quoi, Payback je crois. Ouais, je crois que c'est Payback. En tout cas, voilà. Elle remet les choses... les pendules à l'heure, on va dire. Et on va passer. Non, on va s'arrêter là pour la première partie. Donc j'espère que cette première partie là vous a plu. Et on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. A tout de suite.